Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Vous voulez peut-être dire le bénédicité, monsieur l'abbé, avant que je commence ? Oh, quelques mots alors. Et tout ce quem domino ad menum veniat. Ah oui, moi un peu mon neveu. Vous êtes moins latiniste, monsieur Yann, hein ? Depuis quelque temps ? Oui, depuis que vous avez été aux States. Ben, c'est parce que, oui, il y a l'esprit saxon s'empare de moi, quand on est anglo-saxon, alors je perds mon latin, moi, dans cette affaire. Vous n'arrivez pas à parler latin avec l'accent de Los Angeles ? Oh, c'est plus assez difficile. Dominus Bisque, malo, yesi. Harley Ajacta West. Très facile. Ça prouve qu'il ne connaît pas bien l'accent de Los Angeles. C'est plutôt Dominus Vabisque, monsieur. Ah c'est bon? C'est plus ça. C'est Dominus Vobisky, monsieur. Oui, ah oui. C'est bénissez-moi mon père parce que j'ai pu dire qu'est-ce que vous avez à lui reprocher, mon fils. C'est plutôt ça. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que vous l'avez voulu? Oui. Je sais pas. Non, si. Bon, redevenons sérieux avec cette première citation que nous propose monsieur Martin de Saulieu dans la Côte d'Or. Un bien beau nom. Qui, en répondant à l'affirmation suivante, c'est bizarre, Dieu existe et pourtant on ne l'a jamais vu, a rétorqué, et mon postérieur, il existe et pourtant vous ne l'avez jamais vu. Ah, oui. Je crois que je ne m'avance pas. Non. C'est un homme. C'est pas André Frossard, quand même. C'est un homme. C'est un homme. Un journaliste. Un homme, mais on s'en rendait pas toujours compte quand on regardait dans le bas. Ah, c'était un curé, alors. C'était un curé. Un curé. Mais c'est pas Danielou. Non. C'est un curé, il est plus là. Si, il est encore il là. Il est au paradis. Ah, est c'est au le paradis, curé d'Ars, Jean-Marie Vianney ? Non. Avant la guerre ? Un mec vachement sympa. Moi, c'est mon préféré, ça. Toutes ces photos, tout. J'ai tous ces disques. Jean-Marie Vianney, il s'appelle. Ouais, vache de curé, je pense sympa. Arrête de me faire un œil. Avant la guerre, monsieur Bouvard. Eh bien, il a dit ça après la guerre. Après la guerre, celle-là. Le chanoine Kir. Le chanoine Kir. Bravo, monsieur Dutour. Deuxième citation, c'est madame Bouillet de Palaiso qui nous l'envoie, qui a dit « On se lave tout le temps les mains, pourquoi jamais les pieds ?» Oh bah parce qu'elle est d'une famille où il n'y a pas de sanitaire. Qui a dit Ponce ça Pilate. Ouais. Qui a dit ça? Un écrivain. Un écrivain. 19e alors. Fin 19e. Oui, il n'y a pas l'eau courante. Merci, vous êtes charmante. Vous débutez ici? Est-ce que vous, si vous avez besoin d'une aide, d'un grand frère, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous pour vous pistonner dans les étages, vous saurez être celui-là. Vous êtes adorable. Il vous faut quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Merci, mon enfant. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Adressez-vous à un aîné. Sérieux, avec un visage. Viens, ma petite fille, viens sur les genoux, viens. Viens, j'ai des cachous dans ma poche, viens. Tellement charmant, un stagiaire. Adieu, adieu. C'est un écrivain, ce monsieur Oscar. Aurélien Scholl. Non, mais c'est tout près. Jules Renard. Non, mais c'est tout près. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse. De monsieur Gaillard, et comme vous n'avez pas aimé cette citation, non, qui n'est pas du meilleur Allais, je vous conseille. Non, c'est pas une citation supplémentaire de madame Portier de Belgique qui a dit « Comme la bicyclette, la révolution tombe dès qu'on s'arrête de pédaler. » Fidel Castro. Fidel Castro. Bonne réponse de la salle. Alors, question qui est très proche de la précédente, question de M. Chevreau de Pau. Que doit Chevreau, vous... il a dû se marrer à l'école. Ah, la peau de Chevreau, Chevreau de Pau, ah oui. Ben oui, il s'appelle Guy Chevreau, il habite chez M. Robert Laborde, à Barros-Morlax, à Pau. Je vous dis ça pour que... Ah, ils habitent entre hommes. Vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un jeu de mots un peu facile. Oui, non, chez son ami, monsieur. J'habite chez son ami, c'est normal. Chez son ami, et pourquoi? C'est normal. Il habite chez son camarade. Comment vas-tu, mon grand? Ça va, toi. Oui, très bien. Ben quoi? On se connaît au séminaire, on a renoncé à nos vœux ensemble. Et nous, c'était tout de suite après la guerre. Alors, on voulait nous filer des surplis de l'armée. Alors, ça ne nous a pas plu. Non, parce que ça gratte, vous voyez.
Vous voyez, moi, je suis très fragile de la peau, je tricote tout Metsu, vous voyez. Avec du coton perlé numéro 3. Je fais tous mes slips en poindrie, puis je rentre. Je renforce l'entrejambe, vous voyez, parce que... Juste beaucoup, vous voyez. Tout est donc parti de Monsieur Chevreau. Oui, de Monsieur Chevreau, oui, de Pau. Qui vous demande, que doivent faire obligatoirement le dimanche matin tous les jeunes Cubains? Dimanche matin? Est-ce que c'est un rapport avec ce que Monsieur Martin vient de nous raconter? Se laver les pieds? Non. Fumer le cigare? Non. Tu peux traduire? Aller dans les plantations, faire tu les... Tu peux traduire ce que fait le jeune Cubain, oui. Qui? Tailler les cannes en à sucre. Oui, non, en français. Ben oui. Le matin, le jeune Cubain se lève. Oui. Ouvre la porte et salue la journée qui s'éveille. Ses mains délicates vont cueillir quelques gouttes de rosée sur les fleurs de tabac qui s'étendent dans les grands champs qui sont juste au tournant de la Punta del Este, qui est la place principale de Cuba juste après le Café de la Gorne, en partant du boulevard des Goyes. Vale. Ah. Vale, vale, vale. Ah, s'écrie le jeune Cubain. Cette manie que j'ai de parler anglais. Oui, c'est ça. Vous avez appris le tamoul? Oui, bien sûr. Mais ça se chante plutôt que ça se parle. Vous savez chanter en tamoul? De bricole. Par exemple. Ah, il chante très bien en tamoul. Il chante ni racham ni les os nuni, chale barlouna qui est à la mama. D'ailleurs. Aznavour est d'origine taboule. Alors, il y a toujours le jeune Cubain. Oui. Je crois qu'il vaut mieux le laisser où il est, c'est dimanche, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prière à Castro? Non. C'est patriotique. Il célèbre la révolution. Ça n'est pas patriotique, mais le libérateur a pensé que c'était bon pour le développement du jeune Cubain. Maniement d'armes. Chaque matin, le maniement d'armes. La jeunesse cubaine est très en avance sur les autres générations. En effet, chaque matin, le jeune Cubain, après avoir fait toilette sommaire, ouvre la porte et salue le soleil, emblème de son pays. Puis, se tournant vers l'image de Fidel Castro, il porte sa main droite à la hauteur. À la hauteur du bras gauche et invite son super dur à fumer d'un tabac d'une marque étrangère. La riante vallée de Cuba produit environ 16 700 tonnes de coton. La moitié part pour l'exportation, puis ce sera l'échantillonnage, le bouclage et enfin l'expédition sur les cargos. Va à la pêche. Non. Il va à la chasse. Il fait quelque chose qu'on fait à deux. Du tandem. Il respire. Il travaille pour la République. Non. Non. Il fait ça généralement avec un camarade. Ah. Eh bien, nous allons applaudir Monsieur Chevreau de Pau. Ça aurait été plus drôle s'il avait été de Gand, Monsieur Chevreau, oui, finalement. Oui, bien sûr, il est ménagé. Alors voilà la réponse. Le gouvernement cubain vient de décider que les jeunes Cubains devraient jouer aux échecs tous les dimanches matins, chez eux, sur les places publiques, et que ce serait un sport obligatoire. C'est très conforme à la politique du pays. Afin, disait Fidel Castro, de maintenir l'élite intellectuelle. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont la pommade. Fin de citation. Il faut toujours faire comme Léon Zitrone pour pas se mouiller, vous dites fin de citation. Mais est-ce que c'est M. Bouvard? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Signac de Maupertuis, qui le dauphin appelait-il maman putain? Sa mère. Quel dauphin? Oui. Lequel dauphin? Oui. Parce qu'il y en a des dauphins. Poisson? Trop facile, je peux Madame pas. Madame Antoinette Poisson. Oui. 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 Louis XVI. Dites Madame de Pompadour. Madame de Pompadour. Antoinette Bonne Poisson. Réponse, Jacques Martin. Madame du coup. Je peux tout vous dire sur la Pompadour. Elle était née à Provenchères.
Vous en fichez. Non, mais... non, pas du tout. Intéressant, ce sont des choses que j'ai pas il sur mes fiches. Je ne fiche pas, mon enfin. Il avait son mari. Son mari s'appelait Monsieur Le Normand d'Étiole. Moi, vous remarquerez mon silence. Oui. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc dans le Nord, cette question qui, souhaite-t-il, s'adresse en priorité à Jean-Yann. Je vais lui répondre à ce monsieur-là. Combien dit-on de prières, pater plus savé, quand on dit un rosaire? Oh, monsieur. Oh, il doit y avoir, il doit y avoir 6 fois 10. 6 fois 10. Enfin, 6 fois, oui, les 10, les 10 avaient. Non, on commence par un je crois en Dieu avec la grosse boule. Parce que c'est une histoire de boule. Non, mais... Puis on commence à égrainer le chapelet. Enfin, un rosaire, non, un rosaire, c'est 9 douzaines de chapelets. Non, vous confondez avec les huîtres. Ah non, mais c'est... Chapelet. Alors, rosaire, oui, j'ai confondu avec le chapelet. 9 fois le chapelet. Tu confonds pas avec le truc qu'on se met dans l'eau, là, non, pour, non. Avec les boules non, non, pour. Le rosaire, c'est 12 fois le chapelet ou 10 fois le chapelet. On dit combien de prières? Pater et Ave, je dirais voilà. 65. 100. Non. 66, 79. Non, 64, non? À 64, l'enchère ouais. est à gauche. 64, 65. À 65, j'ai preneur. 66. À 66. 67. À 67. 68. Ça vaut plus que ça. 60... Non, je 72. 72. 76. Moi, je vends, moi. Alors, mon Dieu. C'est 9 fois quelque chose. 120. 9 fois 12, 69. 9 fois 12 heures. Enfin, allez, ouais, t'as cassé ta calculatrice. Ah, ils sont plus calés en cochonnerie qu'en chapelet, hein, parce que vous leur auriez demandé le panier fleuri, ils auraient déjà appris depuis longtemps. Alors... C'est pas 90? Non, 90, c'est la vitesse sur les autoroutes. Ouais. Oui, mais à cette vitesse-là, il faut mieux dire sans chapelet. C'est au-dessus de 100? C'est au-dessus de 100. Ah, c'est 100, 120, 124. Allez, 12 douzaines. 150. 140. Allez, à 150. 160. 160. 170. 170. Ah, non. 165. 165. Ah, bravo, Jean-Yann. Comme quoi, ce monsieur avait raison de poser la question. Il a dit que je lui répondrais. Je décompose. Ah, décompose. Oui. Il y a 15 dizaines d'ave qui sont précédées chacune d'un pater. Ça fait donc 150 plus 15, 165. Mmh. Oui, non, mais alors, là, je voudrais arrêter le bonhomme. Et je amènerai mon chapelet la prochaine fois. Il n'y a pas 15 dizaines d'ave. Parce qu'il y a, au départ, un je crois en Dieu et deux notre père. Ou un truc dans ce genre-là. Comme parce qu'il y a un alors. Bout au chapelet. Ouais. Vous voyez, ça tourne, ah, mais ouais, au départ, ouais. il y a... Mmh. Tu comprends c'est mon enfance. Un lasso. Non, non, non. Dans les rodéos, ils ont des trucs comme ça qu'on lance dans les pieds des bœufs pour les faire tomber. Ouais. De M. Ravix de Viriville. Qu'est-ce que, chez les Tartares, il fallait donner aux parents en échange d'une fille à marier? Un œuf. Un bœuf. Un œuf. Non, pas un steak. Un œuf. Non, pas des capres. Un œuf sur le Tartare. Une bête, non, une bestiole. Un bestiole. Un troupeau. Non. Un troupeau. Non. Un morceau du cheval? Non. C'était un cadeau contre une esclave de même ah, âge? Non, c'était une contrepartie en nature. Ah, en nature? À manger? Oui. À manger? Ah, du bois, du blé? Du riz? Non. La du viande, sel? La viande boucanée? Des épices? Non. De l'excellent fromage de tartare? Au fines herbes et à l'ail? C'est pas du sel? C'est quelque pas végétal. Chose de rare. C'est d'origine animale. Animale. De la graisse. Du beurre de yak. Du poil. Alors, du beurre de yak. Et dans quelle proportion? Au centre de la mariée. Le poids de la dame. Ah ouais. Bonne réponse collégiale. Merci, messieurs. De Madame Thomas de Brunois. À qui doit-on l'expression chaud comme une caille? Bon. C'est vieux ça. C'est pas d'aujourd'hui. Saint-Hubert. Il s'est toujours agi de l'oiseau. Oui. Est-ce qu'on ne mettait pas à cette époque, comme on le fait pour les verres à soie, les œufs de caille à l'intérieur de ses vêtements pour les faire éclore? Non. Est-ce non. qu'on s'en servait pour les malades? On leur mettait une petite caille pour se réchauffer non. comme une grelottèche? Non. Est-ce qu'il s'agit de l'oiseau et non pas de la caillette, c'est-à-dire la pute, quoi, en d'autres termes? Non. Ah non, il ne s'agit pas de ça. Non. Celle-là, elle est encore plus chaude puisqu'elle atteint 42 degrés. Aïe, aïe, aïe. C'est on un médecin qui a dit ça. Pour chauffer l'eau, non? Oui. C'est pas notre ami Fabre qui a dit ça? Non, mais. C'est Monsieur Buffon. Buffon. C'est Buffon. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci, Jean-Yann.
Jean-Yann, Jacques Martin, Jean Dutour, André Gaillard sont les invités des Grosses Têtes dans la nuit des temps en compagnie de Philippe Bouvard. De Monsieur Thomas de Rilly-la-Montagne dans la Marne. Qui remplaça Charles Maurras en 1945 lorsqu'il fut exclu de l'Académie française? Il n'a jamais été exclu. Il n'a pas été exclu, Maurras. On a attendu qu'il mourût. Exactement. Bonne réponse de Monsieur Dutour. C'est un beau désespoir, alors le secours. Mais il faut dire que c'est valable pour chaque académicien, on attend qu'il meure. Ah non, il y a eu des exclus. Abel Bonnard est exclu. Oui. Ah oui, pour fait de collaboration. Ah, oui. Et puis le beau Abel Hermant aussi, il a été tendu également. Si, ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés de leur vivant. Abel Hermant a été exclu, pourquoi? Aussi, pour qu'il ait été collaboration. De Madame Debré, de Reims. Je savais que le mari était dans la gêne, mais déjà... Un concours radiophonique. Quelle est la seule partie de l'homme que la loi permet de vendre en France? Après sa mort. Qu'est-ce que vous me racontez là? Après sa mort. Qu'est-ce qu'on peut vendre les une partie de son corps? Les cheveux. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, ce genre de questions ne m'intéresse pas du tout, moi, alors. Je veux dire, j'ai plus rien à vendre. On ne peut pas vendre autre chose? Non. On n'a pas le droit de vendre. Pas vendre son foie? Non. Ça ne se vend pas. C'est une donation. On ne peut pas vendre son gueule. Et même, vous n'avez pas le droit de vendre votre sang. Non, ça, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Même si on en fait du boudin, sous forme de boudin, on ne le sait pas, que c'est du sang. Et à certaines banques spécialisées, vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même qu'en échange... Les banques de sperme, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Qu'en échange d'un bon de soupe ou de quelques publications... Ça se paye. Ça se paye. On n'a pas le droit. On le fait parce que la demande est supérieure à l'offre. Oui. Mais on n'a pas le droit. Non. Ah oui, la demande est supérieure à l'offre. Oui, oui. On manque de donneurs. Ah oui. C'est vrai, c'est un problème. Alors, c'est tout. Il faut donner ce que l'on a, hein? D'ailleurs, combien de fois ça a dû vous arriver? Une prêteuse vient vous trouver, vous dites j'ai déjà donné. Oui, mais je vais vous dire très franchement, à un certain moment, moi, ma situation n'était pas très forte. C'était les seules banques qui me recevaient. Hein. Oui, mais il ne faut pas reprendre de la... Emprunts, ça, non. Non. C'est des banques de dépôt uniquement. Et pas d'escompte non plus. Et vous savez qu'on n'a pas de carnet de chèques parce que c'est défendu de tirer. Mais je ne suis jamais rentré dans ces établissements. Qu'est-ce qu'il y a derrière le guichet? Devinez. C'est des comptoirs très bas. Ouais. Alors, et puis on se met en ligne comme non, ça. Vous, et puis, vous arrivez devant le comptoir, vous tapez. Oui. Alors un petit guichet s'ouvre. Vous faites pénétrer dans lui. L'organe déposeur. De l'autre côté, on ne voit pas ce qui se passe, mais on sent comme une démangeaison. L'ambiance de cette banque est très marrante. Ah oui, tout le monde chante. Ah, il y a des cambrioleurs qui ont essayé d'ouvrir les coffres, qui ont été épatés. Hein. Les types qui avaient marqué banque, ils rentrent. Ah ouais. C'est un braquage. Vous vous rendez compte, la bonne femme qui fait les comptes le soir? Oh là. Il y a un ordinateur comme partout. Oui. Oui, c'est un ordinateur. Et ça existe, ces banques? Oui, bien sûr. Dans tous les quartiers maintenant. Maintenant, partout. C'est pas ce qu'on appelle la caisse des potes? Des consignations, non? Et quand la banque est fermée, ils passent le soir à domicile. Oui. Mais il n'y a pas des cartes bleues, on ne peut pas le faire dans la rue comme ça pour déposer la nuit. Le Diners Club. Non, c'est embêtant parce que si ça se détraque, ils ne vous la rendent pas. C'est drôle de truc, hein. Bon, eh bien, sur un sujet qui est loin d'être épuisé, nous avons eu quelques belles minutes. Alors, minutes à perdre. Je voudrais maintenant essayer de glisser... Non, pas avec moi. Non. Ouvrez le Judas. La question de Madame Lorrain de Metz. Pourquoi
en 1776. Pour la même raison. Les chapeaux des femmes à la mode, des élégantes, étaient-ils ornés d'un long fil de fer? Eh ben parce que, je peux vous répondre? Oui. Parce que M. Benjamin Franklin exactement. Avait éveillé chez les gens le sens du paratonnerre. Exactement, c'était pour rendre hommage à l'inventeur du paratonnerre, à Benjamin Franklin. Bravo Jacques Marteau. Très très belle réponse. Ah oui, embrasse-le pour moi Jean. Embrasse-le pour moi aussi. Vous savez, j'ai désossé plusieurs duchesses dans ma carrière. Hein, c'est une belle réponse, monsieur Yann. Oui, j'ai désossé plusieurs duchesses. Et que vous savez, c'est difficile de déshabiller une femme avec une paire de tenailles. Vous verrez quand vous allez baguer Yourcenar. Faut pas qu'elle s'affaisse. Ils vont la tiger, elle va pas tenir. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.